Bonjour à tous les amis, bienvenue et merci d'être à l'écoute de la Radio Arc-en-Ciel. Et merci de nous suivre également sur YouTube. C'est Bernard avec vous et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi de la Semaine Sainte. Nous fêtons aujourd'hui, en ce jour du 30 mars, les Amédées. Bon anniversaire également à ceux qui sont nés aujourd'hui. Et on se dit à tout à l'heure pour la lecture et le psaume. Et avant de commencer, nous écoutons un chant à l'Esprit Saint. Thank you.
lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, île lointaine, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. » Et il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Ce que je peux retenir de cette lecture d'aujourd'hui, c'est que Dieu récompense toujours ses enfants. Isaïe a montré à Dieu qu'il a été un bon serviteur. Il a rassemblé le peuple de Jacob, il a sauvé Israël, il a fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu l'a récompensé, il l'a nommé sauveur des nations. Montrons à Dieu aujourd'hui que nous sommes de bons serviteurs et il nous récompensera. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes amenés, nous aussi, à être de bons serviteurs au service de notre prochain, dans notre famille, dans notre travail, dans la rue. Nous sommes amenés à servir notre prochain et nous aussi, nous aurons notre récompense, le ciel. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance, tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de la séquence et j'espère que vous avez passé un moment agréable en notre compagnie. Nous sommes dans la semaine sainte, c'est la semaine d'abstinence et de recueillement. C'est la montée vers la passion et le mystère de la croix. Je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous garde et à bientôt. Merci à tous de m'avoir écouté sur Radio Arc-en-Ciel ainsi que le groupe Jésus est mon guide. Je vous dis à bientôt. Bye bye.